Aujourd'hui, la Team Keto, on est à Bali et on continue notre tour du monde. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci! Ah, Dark Keto, regarde, c'est bon, on est arrivé à Bali! Il y a plein de palmiers partout et en plus de ça, waouh, c'est quoi le bâtiment derrière nous? Ah là, c'est vraiment super beau! On est à Tropidais, c'est l'hôtel de Bali et je crois qu'il faut réserver une chambre. Donc là, ça tombe bien, il n'y a que la chambre 102 qui a été réservée. Bon, je vais m'enregistrer, clique sur n'importe quel bouton de ton écran. Ok, donc j'ai compris. Quel type de chambre aimeriez-vous? Bon, bah, on va prendre la cabane de plage. Hop là, c'est trop cool. Chambre numéro 104. T'es prête, ma chérie? Attends, moi aussi, je vais regarder les chambres. Allez, welcome, Miss Dark Keto. Et moi, je veux... Oh, une suite sous-marine! Quoi? Ça coûte tout ça, mais j'ai pas cet argent, moi! Et le manoir sur l'eau, c'est quoi, alors? Attends, je vais regarder les prix. Manoir sur l'eau, et du coup, c'est... Bon, c'est un peu moins cher, mais j'ai quand même pas assez de Robux. Décidément, on est toujours obligé de prendre les premières chambres et les premiers prix. Bah, c'est parce qu'on est pauvre. Non, enfin, je rigole, on a dépensé tous nos Robux. C'est une autre histoire, ça. Bon, la chambre... Oh, des tenues. Attendez, imaginez, je me mets en beau gosse, là, comme ça, là. Hop, là. Me dites pas que ça aussi, c'est payant. Mais c'est pas possible. Mais ils font tout payer ici, ou quoi? Voilà, c'est l'hôtel le plus cher de tout Bali. Bon, en tout cas, Bali, c'est vraiment super beau. Il y a plein de toboggans. Oh, regarde, Dark Keto, cette énorme piscine. Bon, bah, moi, je t'attends pas. Hein. Je vais direct faire des toboggans. Ça a l'air trop cool. Bon, je vais monter. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'écart entre le toboggan et l'eau. Enfin, j'espère que je vais pas me faire mal. Allez, on monte les escaliers. Et je vais essayer d'aller à celui qui est le plus haut. Enfin, apparemment, ils sont tous au même endroit. Du coup, on va prendre le bleu. Celui-ci, j'aime bien. Et c'est parti! Oh ouais, c'est trop bien! Oh, la piscine, elle est vraiment super chaude! Dark Keto, Dark Keto, rejoins-moi! Bah attends, j'arrive, mais j'ai quand même des affaires à déposer à la chambre! Tu sais quoi? Rejoins-moi à la chambre numéro 104! Bon, j'espère qu'elle m'a attendu, les amis. Si voilà, elle a compris. Chambre numéro 44. Imaginez, elle se retrouve à l'autre bout avec quelqu'un d'autre. Il y a un autre mec qui l'attend dans la chambre. Non, c'est pas possible, ça. Bon, allez, c'est parti. Numéro 104, numéro 104. Non, mais il y a combien de maisons ici? 101, 102, 103... 104, parfait, c'est ici. Waouh, mais c'est super beau. En plus, on a une petite piscine, un petit jacuzzi, je sais même pas trop ce que c'est. C'est trop cool. Oh là là, on est trop bien ici. Attendez, mais y a pas un endroit ici où on peut aller manger par hasard? J'ai trop faim. Enfin oui, c'est comme dans chaque vidéo, les amis, moi je meurs de faim. Alors du coup, j'ai envie d'aller voir... Et sont les restaurants VIP accès? Bon ben moi, je suis pas du tout VIP, hein. Moi, je pense qu'il faut retourner dans le grand bâtiment et ça doit être certainement à l'intérieur. Du coup, bah, on va voir ça. Hein. Je croise les doigts et... Attendez, c'est marqué quoi, là? Il y a des chaises, là-bas. Mais bon, c'est peut-être pas ça. Bon, non, c'est pas ça. Oh, attendez, on n'a jamais regardé l'étage. Quand c'est marqué « Coming soon », je sais pas tout ce que ça veut dire. Peut-être que c'est ouvert bientôt. Bah, super, en fait. Donc, moi, je suis dans l'hôtel, on peut pas manger. Comment on va faire, Dark Keto? Non, c'est vrai, dans la chambre. Mais on peut pas manger, c'est une blague. Peut-être que si je vais par là-bas, il y a peut-être un truc. Ah non, c'est les cabanes. Je comprends rien. Il m'a dit quoi déjà comme chambre? La cabine. Ah, c'est quoi là-bas? Du jet ski? Ah, c'est trop bien. Attendez, c'est écrit quoi? Ah, jet ski, c'est bon. Peut-être que je peux le rejoindre dans la chambre comme ça, qui sait? Allez, c'est parti. Ouh, attendez, il va trop vite ce jet ski. C'est quoi ça? Oh les amis, il va trop vite. Alors, la chambre, je crois qu'il a dit 144, un truc dans le genre. 104 ou un... Oh, attendez, mais au moins, je vois tous les gens à terre, mais c'est horrible. Dark Keto, Dark Keto, regarde, je vais trop vite avec mon jet ski. Oh mince, je peux même pas rentrer dans la chambre comme ça, il y a un truc qui me bloque, je comprends pas. Oh, c'est super énervant. Allez, on va rendre le jet ski et aller dans la chambre. J'espère qu'on voit les belles, j'ai trop hâte de voir l'intérieur. Oh, oh mince, heureusement qu'il n'y a pas de caution, les amis. J'ai pas de chance, j'aurais perdu tous mes Robux. Enfin, de toute façon, vu que j'en ai pas, ça aurait rien changé. Allez, direction la chambre. Du coup, 104, je crois. Attendez, c'est où? C'est marqué... Ah, bah, c'est ici. Toc, toc, c'est moi. Ah, bah enfin, elle est là. Elle a pris combien de temps à venir? Non, mais c'est un truc de fou. Bon, allez, c'est bon, tu peux rentrer. Oh, waouh! C'est vraiment super beau. Par contre, je vois qu'il y a une fille qui veut rentrer derrière moi. Tu la laisses surtout pas rentrer. Hein. C'est bon, c'est super gênant. Comment ça, il y a une fille qui veut rentrer dans la chambre? Je comprends pas ce que tu veux dire. Il y a quelqu'un? Ah, mais c'était elle, là-bas. Mais non, t'inquiète pas, rentrera pas avec nous, quand même, j'imagine. Ce serait n'importe quoi. Bon, attends, faut que je règle ici. On va mettre en mode privé. Voilà, gérer colocataire. Et je vais écrire Miss Dark Keto. Bah, c'est parfait, voilà. Hop là, c'est terminé. Attends, Dark Keto, j'ai un truc à te dire. Oh, tu sais qu'en quoi on voit tout de l'extérieur, c'est-à-dire quand on voit les gens chez eux dans leur lit. Enfin, on les voit leur faire leur vie, quoi. C'est super gênant, regarde, je te vois. Oh, c'est horrible, Dark Keto,
je t'observe. Ah ouais, j'avoue, là, c'est super gênant. Attends, y a pas un mode ne pas déranger, peut-être? Pourquoi le mode privé, il fonctionne pas? Je comprends pas. Non, mais normalement, t'es pas censé me voir, là. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Tu sais quoi? On a qu'à espionner des gens, du coup, vu qu'on peut espionner tout le monde. Attends, c'est une bonne idée, par contre, je vais te dire un truc avant. Tu sais, j'avais super faim, je voulais manger et tout. Je me suis dit, vas-y, d'avoir un endroit taré où on peut manger des trucs super bons. Et au final, c'est marqué coming soon. C'est-à-dire que t'as pris un hôtel où il n'y a pas de restaurant. On va manger quoi? Va falloir pêcher et tout pour manger ou quoi? Attends, c'est pas possible, un endroit où on peut pas manger. Et moi, genre, moi, je vais noter une étoile. C'est pas possible. Attendez, c'est le pire hôtel. En plus, je paye ça une blinde. Non, mais j'ai payé ça, je sais pas combien d'euros ou quoi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bizarre. Eh oh, je suis en couple, moi. C'est bizarre, vraiment trop bizarre ça. Bon, je comprends pas les filles parfois. Bon, spa et gym. Bah non, c'est pas là où on va manger. Ici, c'est quoi? Intervieweur. Bah non, elle va pas me donner à manger, elle. Attendez, y a pas à manger ici? Non, mais faut changer d'hôtel tout de suite. Je suis pas d'accord. Faut changer d'hôtel. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Pas à manger, on va mourir de faim dans pas longtemps là. C'est quoi ça? Underwater Suite. Tropidize. Non, c'est pas ça du tout. Y a pas à manger, les amis. Y a pas à manger. On va changer d'île. Bon, je vais la chercher en jet ski et on va changer d'île. Parce que là, c'est pas possible. Franchement, les amis, s'il n'y a pas à manger ici, bah je comprends pas comment c'est possible. Bon, on va récupérer un jet ski. Là, franchement, on est d'accord pour dire que ce jeu, c'est le plus nul de tous les jeux d'hôtel. On est d'accord. Bon, on est d'accord, les amis. Je vais la chercher en jet ski. On va changer d'île tout de suite. Genre une île en Grèce ou quoi, ce serait pas mal. Parce que là, les îles paradisiaques, moi, j'en ai un petit peu marre. Oh, j'ai trop faim. En plus, on est arrivé ici, je vous rappelle qu'on a dû nager ou je sais plus du tout. On a fait quoi déjà pour venir nager, je crois. Bon, en tout cas, j'ai trop faim. Ça fait perpète, on n'a pas mangé. Darkito, viens me récupérer, s'il te plaît. Ouais, attends, j'arrive. Attends-moi. Et comme ça, on va partir en Grèce. Parce que je suis sûr que t'aimes bien manger. Waouh, dans le jet ski. Ok, c'est bon. Manger en Grèce. Oh, grave, la Grèce, ça me tente trop. Ça a l'air trop bien. Bon bah du coup là on fait quoi? Direction la Grèce? Par contre je t'explique qu'on a toujours un problème hein. Déjà on n'a pas nos valises et en plus de ça bah on a toujours pas mangé du coup... Oh notre coco! Darkito! Si t'allais chercher des noix de coco là sur le truc là, le palmier, je sais pas ce que c'est, un cocotier. Attends deux secondes parce que je crois que j'ai un problème de jet ski là. Là j'ai fait n'importe quoi, là excuse-moi mais là j'ai fait n'importe quoi. Wow. Non, on va pas sous les cocotiers là. Là tu sais quoi, accroche-toi bien parce que là on va aller en Grèce tout de suite. C'est parti, j'espère vraiment qu'on va bien manger quand même là-bas. Attention, accroche-toi, je sens que tu vas... T'es mal accroché là. Bah ouais, attends, j'ai un peu de mal, on est en train de tomber dans le vide là. Darkito, je rêve, on est où? Bah on atterrit où là? On n'est pas du tout en Grèce hein. Oh, regarde, il y a une salle secrète tout en bas du jeu, c'est quoi ce truc? Je crois qu'on a découvert un truc de taré, non? Je crois qu'on a complètement bugué sur ce jeu, là c'est vraiment n'importe quoi. Bon, allez c'est parti. Santorini, t'aimes bien Santorini? Oh grave, par contre je crois que ça coûte vraiment super cher la vie là-bas. Mais t'es quoi après tout hein? On a qu'à devenir super riche d'abord. Ma chérie, où est-ce que... Non, me dites pas qu'elle est tombée. Attends, j'arrive. Oh non, mon jet ski.